Coucou, très cher ami spirituel des scorpions, je vous retrouve pour votre petit horoscope du mois de juillet. Un mini horoscope, mais je me dis que finalement, c'est les messages les plus courts, les plus efficaces parfois. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah ben, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, déjà, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire, peut-être que voilà. Donc, ceux qui sont scorpions aussi, ben, c'est l'occasion de vous dire bienvenue. De vous dire merci à tous les anciens abonnés. De vous dire plein de belles choses. Que je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Du repos, de l'eau, du sommeil, ce genre de choses très importantes pour canaliser les énergies. Puisqu'on rentre dans le portail énergétique du juillet, c'est un pic encore plus fort cette année. Après, il sera suivi du portail du Lion au mois d'août, donc ça va dépoter. D'autant plus qu'on a eu quand même une pleine lune en Capricorne. La lune qui vient de traverser le Pluton ici, là, je le répète, mais voilà, la lune, elle a passé Pluton, et puis elle vient d'activer l'énergie de Saturne, donc du Capricorne, que l'on va retrouver le 17 juillet de mémoire, avec la nouvelle lune en Cancer. Donc il y a quand même un switch, re-switch, là, c'est une période de l'année un peu intermédiaire, où, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue aussi parfois, beaucoup de prise de conscience qu'on peut avoir justement quand on est un peu en repos, là, si, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, parce qu'on peut voir un peu les choses avec un peu de recul. Voilà. Alors, pour la petite intro aussi, c'est une guidance collective, elle est générale. J'essaie de vous donner des clés par rapport aux énergies qu'il y a en ce moment. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, mon CV. Je travaille quand même depuis 25 ans auprès des publics, différentes fonctions, différentes formations, différentes. Voilà, vous regardez le CV. Voilà. Je me suis reconverti ben, dans la tarologie, puisque c'est une passion. J'avais besoin de faire autre chose dans ma vie. Et donc, j'y rajoute la lecture parce que je suis passionné, bah, évidemment, de psycho, d'histoire, d'histoire des religions, et puis moi-même des soins, de la tarologie, compagnie, de comprendre un peu l'histoire de l'écriture et d'où nous vient le tarot, notamment de Marseille, parce qu'il est bien plus vieux que ce que l'on croit. Ah, ce n'est qu'une. Voilà. Donc, allez, on va regarder le message donc, sous ce prisme-là, sous ces énergies, pour nos amis scorpions. Donc il y a le portail, il va y avoir, donc là c'est que il y a aussi Vénus en Lion, il y a le Bélier en Lion qui va passer en Vierge, il y a aussi le nœud Nord qui va passer en Bélier. Donc il y a des gros changements là. La Lune noire, Lilith est en Lion jusqu'en octobre, il faut le prendre en compte dans les tirages. Il y a quand même pas mal de choses. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Il y a deux cartes. Il y a deux cartes. Il y a la force, c'est pas mal. Nouveau cycle. On dompte quelque chose là. Il faut dompter quelque chose. Il faut dompter quelque chose dans ce nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. La tour. Bon. C'est normal, c'est l'effet du portail. Cette tour, c'est la troisième ou quatrième fois qu'elle apparaît durant le tirage. Il y a quand même 22 arcanes, hein, je ne le fais pas exprès. Il y a une tour, il y a des prises de conscience. C'est l'effet du portail. On est dans une année 7. 2023, c'est une année 7. Ça veut dire que ça fait. Généralement, les transitions de 7 ans, on les opère 3 ans avant. Donc, ça voudrait dire, par exemple, on est en 2023. Donc, moins 7, ça fait 2016. Moins 3, 2013. Donc, depuis 2013, il y en a qui ont commencé à mettre en place des choses. Ils avaient transité déjà. Hop, ils ont reconstruit quelque chose pendant 7 ans. Et puis, ça fait déjà aussi 3 ans. Il y en a qui, ça fait 3 ans, qui ont compris qu'il fallait qu'ils réajustent. Et qui sont en train de réajuster et de récolter des nouvelles positives. Ça, c'est pour ceux qui ont compris dans leur psy qui travaillent, ils ont remis en question, ils ont déconstruit leur propre tour de l'ego, ils ont aussi sont mis en conflit avec eux-mêmes pour travailler. Et puis, il y en a aujourd'hui qui ont la maison brûle, des prises de conscience, qu'il faut qu'il y ait un truc qui s'arrête. Alors, aujourd'hui aussi, hein, et cette tour qui explose, elle peut paraître catastrophique, ça peut être malheureusement une fatigue, ça peut être malheureusement un accident, ça peut être malheureusement un événement qui nous fait prendre conscience que le passé, est-ce que c'est juste, est-ce que notre passé est juste, là on nous parle d'un contrat là, qui n'est pas bon, on a l'empereur et on a le 8 qui revient, c'est cette tour, hein. Le 8 il va avec le 16 en numérologie. Et on a un partenariat qui bat de l'aile là. Quelqu'un, il ne se regarde plus. Donc du coup, il y a une décision, et il y a quelqu'un qui décide, il y a une impératrice là, 3, qui décide de quoi?
de partir, de quitter quelque chose, de se mettre au triomphe et de se libérer et de s'associer avec un autre 4 beaucoup plus tempéré. Donc il y a cette idée-là dans l'air, il faut switcher, il faut, voilà, le passé, il faut, c'est l'effet du Capricorne, c'est l'effet de Saturne avec la Lune, c'est l'effet de tout ça, de Pluton qui nous amène à, au moment où je fais le tirage, et c'est l'effet du portail, le message il est amplifié par les astres, hein. L'année prochaine, il y aura d'autres astres à ce moment-là, voilà, ça sera notre message. Alors on va voir, là, donc il y a de la Il y a de la reconstruction dans la matière. Le 4, c'est aussi, il va avec le 13. Hein. Le 13, ça fait 4. Hein. Donc il y a l'idée de déconstruire pour reconstruire. Et pourtant, et donc on a encore le 4. Il y a des gens qui hésitent. Hein. Il y a des gens qui, on vous dit, souvenez-vous, vous avez toujours le choix. Ça parlera. Voilà, il y a des gens qui sont là en train de se dire, qu'est-ce que je fais? Je déconstruis tout parce que j'ai essayé, ça marche pas. Au travail, ça marche pas. Là, il y a une maison, je m'en sors pas avec la maison parce que il y a trop de travaux, il y a trop de ci, il y a trop de là. Qu'est-ce que je fais de cette maison? Là, il y a des événements soudains. Il y a des burn-out. Qu'est-ce que je fais? Je reprends le boulot ou non? Je reprends le même boulot, je décide de me servir de cette situation pour me reposer, pour revenir au corps, parce que ça, c'est le corps qui lâche. Il y a peut-être un coup de foudre pour une personne, bien sûr, mais apparemment, il y a aussi des engagements derrière qui ne sont pas bons. Un contrat de mariage qui n'est pas bon, qui doit s'arrêter. Quelque chose qui est trop mauvais parce qu'on a quand même quelque chose qui est un peu dominant. Voilà. Dans les échanges et compagnie. Après, cette phase peut amener des choses positives. Bien entendu, quand on change de boulot, c'est fragile, mais peut-être des fois on se met en réussite après. Quand on quitte un partenaire, c'est fragile, on est triste et compagnie, mais après, on se sent mieux. Il y a des choses comme ça. Après, ça peut parler de la famille, bien entendu, ça peut parler de plein de choses. J'aime pas trop parler, ça peut être la santé. J'aime parler un peu de santé, mais j'aime pas parler quand même de la mort. Hein. Ça peut être aussi des événements, boum, un décès, hein, parce qu'on a le 13. Ça peut être un décès aussi, malheureusement. Voilà. On va voir quand même. Il y a, ouais, c'est terminé la soumission. Elle était à l'envers, voilà. Il faut arrêter la soumission. Là, il y a quelqu'un qui a une despote au travail, il y a quelqu'un, moi si ça m'évoque ça, dans la famille, il y a une despote, et dans le couple, il y a une despote, et même si vous êtes en parcours de flammes jumelles ou de quoi ou qu'est-ce, il y a une despote. Donc ça, vous êtes plus puissante que vous ne le pensez, puissant ou puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est-à-dire, quand on est la victime, ce principe de sauveur, sauvé, bourreau, bouc émissaire et compagnie, c'est qu'on est victime de soi-même. Moi, je sais que j'ai été victime de moi-même sur plein de domaines de ma vie, notamment sentimentaux. C'est-à-dire à vouloir sauver l'autre, à vouloir lui donner plus. Non, la victime, il faut qu'elle accepte sa part de ténèbres. Et sa part de ténèbres, c'est se dire des fois on voit la lumière des gens, mais ils ne sont pas dans la lumière. Donc on voudrait les transformer, les aider à ce qu'ils deviennent dans la lumière. Mais ils ne sont pas. Et des fois, les gens, ils veulent pas. Et ils veulent faire par eux-mêmes. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez des situations, par exemple, vous allez voir, tester un truc pour un travail. Vous arrivez, vous rentrez dans le bureau, vous avez quelqu'un se met à pleurer dans votre bureau. Vous n'avez rien fait, d'un coup vous arrivez, il y a une personne en face de vous qui est en dépression. Elle se met à pleurer. Vous dites, bon, là je suis arrivé dans un endroit, je vais être le thérapeute de cette personne, alors qu'à la base je suis venu pour travailler. C'est pas bon signal, c'est pas un bon signal, vous comprenez? Si vous vous associez à cette personne, vous risquez de vous coltiner toutes les énergies tierces qu'elle pourrait porter, qui seraient donc de sa part de responsabilité. Dans un couple, c'est accepter d'être rabroué, compagnie ici. Dans une nouvelle rencontre, ça serait d'accepter de se dire, ah tiens, cette personne est à distance. Il y a un truc avec le père. Ah ben voilà, oui, c'est bon. J'ai eu un coup de foudre pour une personne à distance qui, voilà. Et non, ça va vous mettre dans les ennuis. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a la carte, elle est sortie. Donc c'est stoppé. C'est intégrer la part de ténèbres en nous, de dire non, là je vais me tirer une balle, là je vais porter de l'énergie que je ne peux pas, parce que sinon vous avez déjà votre fardeau, et si vous avez déjà porté le fardeau des autres, non, on vous dit stop, on arrête de porter le fardeau des autres. Même au travail, il faut savoir se mettre des limites. Hein. Bon, vous voyez, il y a quand même la main tendue, il y a la gratitude et votre formule magique pour attirer la prospérité. La gratitude, c'est dire merci même quand on a vécu des moments difficiles. Même quand on a eu des drames, mais croyez-moi encore.
voilà, que tout comme vous, j'en ai eu, qui nous arrive des drames, bien sûr qu'on passe par des phases de deuil, de chagrin, des cœurs brisés, hein, des cœurs brisés aussi. Mais c'est la capacité à se dire, bon, mais malgré cette situation, elle m'a appris ça, elle m'a permis de comprendre ça et d'être qui je suis aujourd'hui, voilà, d'être une meilleure version de moi-même, même s'il y a toujours des choses à... Et donc, c'est d'être même. C'est savoir dire merci à des moments où des fois, bon, on n'a pas envie de dire merci. Il y a la culpabilité aussi. Hein. Donc il y a la culpabilité à travailler. C'est-à-dire ça, la culpabilité, chakra sacré bloqué. Parce que la culpabilité, c'est s'interdire de se faire plaisir et c'est porter le poids des autres et à vouloir tout le temps les soigner et les guérir. Et c'est ce que je disais, c'est s'interdire de souffrir des choses à nous. Voilà, par nous-mêmes. Et après, du coup, on voudrait que l'autre il soit reconnaissant de ce qu'on lui a donné. Et après, en fait, voilà, on est altruiste, oui. Ça, c'est positif. Mais altruiste vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour pas après passer. Parce que quand on est victime, on devient sauveur, on devient aussi bourreau. Hein. Il y a des séparations, des fois, on le fait, on a aidé l'autre, puis le jour où on s'en va, on crée des drames. Hein. Et il faut rattraper. Après, il faut prendre sa part de responsabilité pour atténuer le drame qu'on a pu causer. Après, quand on est jeune, on est jeune. Quand on a un peu plus d'expérience, on tire les leçons et on essaie d'éviter la répétition de ce schéma soumis, culpabilité, s'interdire, je sais pas, de se reposer par exemple, c'est pas normal quoi. Il y a des gens, ils ont... Et si on vous interdit de vous reposer, ou si on vous interdit de sortir, ou si on vous interdit de. Vous n'allez pas l'accepter ça. Ou si vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables. Donc là, il y a des tours là. C'est la fin. Voilà. Est-ce juste ou pas? Il y avait la blessure d'injustice. Il y a, bon, il y a un retour à l'équilibre, on va dire, de manière positive. Mais vu qu'il y a culpabilité et justice, on pourrait se dire, ah, voilà. Il y a un bras de fer qui peut être fait là, avec le partenariat professionnel, le sentimental, même si c'est une nouvelle personne ou dans votre couple, pour tendre vers la félicité. La joie, oui, vous devez tendre que vers ça. Donc, si vous êtes avec un dictateur ou patron et compagnie, c'est là que vous rompez. Vous n'acceptez plus. Vous vous battez pour partir d'un endroit qui est toxique. Et vous allez retrouver donc de l'équilibre, de la justice. C'est un peu l'histoire de la justice derrière. On se met d'accord, on se libère et on retrouve de la joie. Et il y a le retour de l'amour. Alors vous, c'est coup de foudre, coup de tonnerre, coup de foudre, coup de tonnerre, retour de l'amour. Voilà. Parce que vous mettez en place le changement. Ça rejoint un peu, bien entendu, ça rejoint un peu l'énergie de la balance. Parce que la balance, elle est cardinale, et elle lance la saison de l'automne, donc elle est reliée au scorpion. Et le scorpion, il va impacter aussi le sagittaire. Donc il y a trois messages en fait qui pourraient être intéressants à lire, puisque voilà. Culpabilité, accusation, ça c'est des endroits, on vous fait culpabiliser, on vous accuse de choses que vous n'êtes pas, et vous l'alimentez, ça peut être alimenté, c'est des énergies tierces. Là il y a trois femmes quand même, donc ça peut être en face de nous, on a une compagnon qui a trois personnes, trois femmes, la sœur, la grand-mère, la tante, j'en sais rien. Ça peut être trois hommes, bien entendu, hein. Mais quand même, cette carte nous parle de Gaïa, de la Terre, de ça, de la lignée. Et ça peut être votre propre lignée qui vous a empêché aussi de vous libérer. Vos enfants, vos parents, ça vous l'avez dans la tête. Et ça, il y a un truc, un changement à opérer dans votre mode de communication, on vous dit. Changer de mode de communication pour avoir le retour de l'amour. Et ça, il faut servir de l'énergie de Mars. Hein? Il faut savoir se servir de l'énergie. Savoir une main de fer dans un gant de velours. Quand on vous empiète et qu'on vous rabroue, il faut savoir quand même se positionner comme Mars. Hein? Mais pour vous faire respecter vos limites. Et du coup, à la maison, il y a des accusations, c'est peut-être des histoires de famille, il y a quand même un miroir magique, c'est peut-être l'autre là qui il est entouré d'énergie tierce. Naissance, chance, projection, étranger. Peut-être en séparation, l'autre est en retard, il est instable, se focalise sur le travail.
Bon, ça peut être plusieurs cas de figure. Mais on vous dit, il y a le soutien de la famille. Donc, est-ce que lui, il fait partie de l'arbre de vie, on va dire, avec des gens? Alors, il y a notre famille, après, il y a la famille d'âme, vous voyez? Voilà, pour créer cela. Bon, il y a peut-être aussi une période où il y a eu des tensions avec la famille, et puis l'autre, vous lui avez dit, mais positionne-toi avec la famille. Voilà, parce qu'il faut aller, il faut se rentrer dedans. Voilà, il faut se parler pour dire, bon, c'est notre couple avant le reste. Il y a un peu de ça aussi. Bon, on a quand même des belles cartes, à part là, dans le troisième œil, là, il y a de la fatigue mentale. Burnout. Fatigue, burnout, façon de parler. Surmenage. Alors faites attention à vous. Allez, je vous prends un petit message de Tony Carmine Salerno pour finir. Et équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors, retour à l'équilibre, on va dire. Après, coup de tonnerre, coup de foudre, retour à l'équilibre et à l'amour. Ok? J'aime bien cette carte, je vais la laisser comme ça. Elle me plaît. Voilà. Et à la paix. Et puis, lorsqu'il y en a un qui ne veut pas faire la paix, ben, vous lui dites bonne continuation. Allez, gros bisous, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, d'éclairage et de faire un travail. Voilà, c'est toujours positif, quoi qu'il en soit, c'est toujours gagnant, gagnant. Je vous embrasse, ciao, ciao, bisous.